suis né à Nantes tout d'abord, après j'ai grandi dans le Finistère en bord de l'eau et je suis revenu faire mes études de marine marchande à l'Hydro de Nantes. C'était le port et le fleuve qui m'intéressaient le plus, donc j'ai eu la chance de pouvoir y rentrer et je suis vraiment très content. Alors un pilote de Loire, c'est une personne qui aide à conduire et à guider les navires de commerce qui rentrent et qui sortent du grand port maritime de Nantes-Saint-Nazaire. On monte à bord des navires qui arrivent à l'aide d'une pilotine. C'est un petit navire qui nous permet de nous approcher du gros cargo. Hello. Hello. Ce sont des navires qui arrivent de l'étranger et un commandant ne pouvant pas connaître toutes les spécificités et les particularités nautiques du port doit faire appel à un pilote. C'est obligatoire à partir d'une certaine taille de navire. Loire Port Contrôle, Rick Meurs, Jakarta, bonjour. L'amarrage c'est combien? 332 322 devant derrière. Merci. J'ai un pied en mer et un pied à terre. Une bonne alternative entre la vie de marin au long cours et la vie de terrestre. Et puis c'est très rythmé, les conditions changent tous les jours. Donc c'est vraiment très intéressant et on ne peut pas s'ennuyer une seule seconde. Alors effectivement, on travaille 365 jours par an et 7 jours sur 7. Donc de nuit, de jour. On a la chance de passer d'une zone très industrielle à une zone très naturel. Et ben voilà, perfect. Et c'est vrai que c'est assez magnifique, oui.